bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Le 9 septembre, des millions d'élèves ivoiriens ont repris le chemin des classes, comme ce fut le cas à Daloa. Une rentrée quelque peu timide, mais effective. Tous les moyens sont bons pour lutter contre la poliomyélite. Ainsi, plus de 300 jeunes ont sillonné les rues d'Abidjan pour sensibiliser les familles à faire vacciner les enfants contre cette maladie qui peut mener à la paralysie. Et en fin de journal, du jaune, du vert et de la samba. L'ambassade du Brésil en Côte d'Ivoire n'a pas manqué de célébrer le 202e anniversaire de son indépendance. Daloa, à plus de 370 km d'Abidjan. Au groupe scolaire Daloa Sud B, les parents, élèves et enseignants sont au rendez-vous. Inscription, réunion de prise de contact entre enseignants et quelques révisions avec les élèves présents sont au menu du jour pour cette première journée. Depuis 7h15, nous avons reçu les parents, on a ouvert les classes, les enseignants aussi sont arrivés, l'ambiance était bonne enfant, ils ont commencé à nettoyer les classes pour préparer les cours de demain. Pour pouvoir accueillir les enfants et puis on va commencer. Parce que ici, dès les premiers jours déjà, les enfants doivent commencer à travailler. En attendant les retardataires, l'enseignant Kofi Bistéphane est en classe avec les élèves présents pour la prise de contact. Alors, comment le coup ? Ce matin même, j'étais en train de faire une petite révision au niveau des mathématiques pour faire un contact avec les enfants. Je pense que demain, on sera peut-être au nombre total et commencer réellement les leçons. Ici, au groupe scolaire Daloa Sud B, tous les enseignants et encadreurs sont prêts pour le début des cours. Ils appellent les parents à faire venir leurs enfants en attendant les fournitures. Tous mobilisés contre la poliomyélite. Issue de la plateforme sociale développée par l'UNICEF, U-Report, plus de 300 jeunes sont mobilisés pour sensibiliser les populations sur l'importance de la vaccination contre cette maladie, et ce, au travers de la caravane U-Report. Il y aura des sensibilisations souveraines à travers les caravanes. Nous sommes descendus dans les différents quartiers, essayer de sensibiliser dans les marchés, les établissements qui sont déjà en période d'inscription à toutes les populations ciblées par les groupes. Organisé avec la collaboration des partenaires de l'UNICEF, notamment le Rotary Club, l'Organisation mondiale de la santé et la direction de la coordination du programme élargi de vaccination, cette caravane vise également à contribuer à la promotion des bonnes pratiques de santé infantile à travers la sensibilisation au suivi régulier du calendrier de vaccination auprès des populations des communes d'Abidjan, notamment la vaccination contre la poliomyélite en vue de son éradication totale. Alors, avec les U-Report et les différents districts sanitaires dans ces localités-là, je dois avoir l'occasion d'accompagner les districts dans leur travail, dans leur élan de sensibilisation, amener les populations vraiment à faire vacciner les enfants contre la poliomyélite. C'est une maladie des mains sales. Nos enfants jouent. Derrière les personnes, les mains, ce sont des enfants. Ce n'est pas comme une grande personne. Elle dit bien, c'est qu'elle doit se laver les mains. Eux, ils jouent, ils portent la main à la bouche. Ils portent comme ça le microbe à la bouche. Et le microbe va attaquer le système nerveux des enfants. Je vous demande d'aller les pieds de vos parents ou bien les bras de vos parents. Donc, pour éviter tout ça à nos enfants, nous organisons des campagnes. Parce qu'on s'est rendu compte que dans l'environnement, nous avons ce microbe-là qui circule. Du 5 au 8 septembre, la caravane a sillonné toutes les communes d'Abidjan ainsi que Songon et Anyama. À savoir que plus de 8 millions d'enfants de 0 à 5 ans étaient visés par la campagne nationale de vaccination qui s'est déroulée du 6 au 9 septembre. À quelques semaines de la 3e édition des Awards de la fonction publique, cette dernière a été officiellement lancée. Nous avons une cérémonie solennelle au cours de laquelle une distinction est octroyée aux agents les plus méritants au sein du nouveau système administratif qui, par leur engagement quotidien, portent et bonifient les services publics. Trois catégories de prix seront décernées, notamment le prix du meilleur directeur des ressources humaines des ministères, celui du meilleur directeur régional, ainsi que le prix du meilleur agent du ministère. Les innovations majeures de cette édition sont, en plus du prix du meilleur agent de la fonction publique, le prix spécial de la presse. Nous sommes l'épicentre de notre Côte d'Ivoire et aujourd'hui, il est très important de prendre un bon choix pour pouvoir apprendre notre langue, notre langue, tout ce qui a l'éducation, tout ce qui est comme partage d'expérience. Et nous, nous accompagnons encore cette année les lois de la fonction publique, c'est une grande vente. Nous accompagnons des fois en termes de partage, comme j'ai dit, dans, et surtout, nous pourrions avec nos étudiants.
Au cours de cette cérémonie prévue le 1er décembre 2024, le meilleur directeur des ressources humaines recevra la somme de 3 millions de francs CFA. Le meilleur directeur régional et le meilleur agent du ministère de la fonction publique se verront octroyer respectivement les sommes de 2 millions de francs CFA et de 1 million de francs CFA. Le 7 septembre 1822, le prince Pedro de Portugal pousse le cri d'Ipiranga, considéré comme la déclaration d'indépendance officielle du Brésil. Le Brésil qui a soufflé cette 200e d'île, qui a soufflé cette 202e bougie d'anniversaire, notamment à l'ambassade du pays en Côte d'Ivoire. La confraternisation entre le gouvernement ivoirien et l'ambassade du Brésil, entre la communauté brésilienne et les amis d'Ivoirien de l'ambassade du Brésil. C'est l'esprit de célébration et d'amitié. Cette célébration de cet anniversaire de l'indépendance du Brésil a été l'occasion de réaffirmer l'engagement des deux pays à poursuivre leur coopération sur plusieurs fronts. Je vous ai levé pour en féliciter l'intensification de sa relation au fil de l'ordre. Au plan de la politique, économique, sécuritaire et culturel, comme en témoigne, des décharges de personnalités ministérielles et parlementaires, ainsi que plusieurs actions concrètes. Depuis plus de 6 décennies, le Brésil et la Côte d'Ivoire entretiennent des relations diplomatiques solides, fondées sur une collaboration multiforme, notamment commerciale. Ainsi, en 2023, la valeur des exportations de la Côte d'Ivoire au Brésil est estimée à un peu plus de 65 millions de francs CFA. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cetteinfo.ci.